Voilà, donc, je suis prêt, je disais de rester simple, en tout noir. Aujourd'hui, ce que je vais faire, donc, je vais aller dans mon bureau, je vais méditer, je vais planifier ma journée. Je sais, il y a beaucoup de gens qui disent non, planifier ta journée avant. Je sais, et c'est quelque chose que j'ai besoin d'améliorer, c'est de planifier mes journées avant de m'endormir. Bon, je vais faire ça aujourd'hui. Je vais également travailler sur 2-3 trucs, poster mes vidéos sur les réseaux sociaux. Je vais faire ça pendant genre 30 minutes avant de me mettre réellement au boulot. Okay? Donc, il est 9h, 9h30. Je vais démarrer le. C'est parti. Hey Tim, j'ai fini la méditation et tout, mais j'ai oublié que j'ai un meeting avec notre CEO. Et donc voilà, j'étais et je suis toujours en réunion là, voilà, avec eux. La réunion est presque finie, mais voilà, j'ai fait du café comme d'habitude. C'est ce que je prends, du café. J'ai aussi, attendez, je vais couper le son, ça vous aide. Voilà. Voilà. Donc c'est la team qui est là. Voilà. Donc j'ai médité avec ce casque et voilà, j'ai commencé la journée. J'ai aussi écrit dans mon journal. J'écris toujours dans mon journal. Voilà, pour la date d'aujourd'hui. J'écris toujours dans mon journal en anglais. Ça, c'est Spotify. Je joue toujours de la musique. Ok. Voilà, je vous encourage à écouter les versions de musique. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà, je vais prendre une pause. Je vais profiter pour aller manger. Je vous explique un peu ma méthode de travail. J'utilise la méthode Pomodoro. Ok. Donc, 25 minutes de travail où je suis concentré, focus. Je prends 5 minutes de pause. Ensuite, je résume 25 minutes. Ensuite, 5 minutes de pause. Et ainsi de suite. Ok. Donc, j'ai eu beaucoup de réunions ce matin. Donc, j'ai travaillé pendant 25 minutes rapidement. J'ai pris en même temps ma pause déjeuner. Donc, je vais prendre mon déjeuner. Mon déjeuner, les simples, je vais vous montrer ça. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre 2 œufs. Alors, ensuite, je vais aller acheter à manger avec. Je vais acheter des chicken sandwiches. Ok. Sandwich au poulet, si je peux dire ça. J'ai pas eu le temps de le préparer. Aujourd'hui, j'aurai pas le temps de le préparer. Mais normalement, je dois préparer ce poulet là. Ok. Je vais appeler ce poulet là. J'ai déjà ma nourriture du soir qui est là et tout, qui est conservée. Et voilà. Mais je vais aller, je vais préparer les œufs et ensuite manger et aller acheter les sandwichs au poulet. Et quand je reviens, je vais faire mes protein shakes. Donc mes protein shakes, c'est à base de riz, non? J'utilise les épinards, je sais pas comment je vais appeler ça, fraises ou berries, je sais pas comment vous appelez ça. Ensuite, j'utilise, rapidement je vous montre mes protéines, j'utilise le beurre d'arachide, c'est grain, hein, le jus de tarte, bien sûr ma poudre de protéines ici. Kino Gains et ma poudre de protéines vegan. Voilà, là je suis dans une période de prise de masse. Voilà. Et ensuite je prends mes suppléments alimentaires pour mon niveau de testostérone. Parce que comme peut-être que vous ne le savez pas, mais à mesure qu'on prend de l'âge, notre taux de testostérone baisse. Donc il est important en tant qu'homme d'avoir un bon niveau de testostérone, ça aide à prendre des muscles, ça aide à avoir de l'énergie, à se concentrer et tout. Voilà, donc je répète, on mange les œufs, ensuite on va acheter les sandwichs au poulet, je reviens, je mange ça et je prends mes protéines et je repars au boulot. Donc j'ai 1 heure pour faire ça.
va aller acheter. On va aller maintenant acheter le sandwich au chicken. J'ai mangé, j'ai eu une réunion avec mon manager, one on one. Le temps est beau, 10 degrés Celsius. On va aller manger maintenant sandwich au chicken. Voilà. Il y a un truc que vous devez comprendre, c'est que voyez votre vie, vivez chacun de vos jours avec intention. C'est pas du tout facile, les gars. Étant ici, il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup de choses qui te donnent envie de complètement dévier de ta voie. Est-ce que vous voyez? Vous voulez peut-être avoir plus d'argent ou avoir une famille stable ou n'importe quoi d'autre. Bon, en gros, les gars, vivez votre vie comme si vous étiez le héros. D'accord? Comme si vous étiez le personnage principal du film de votre vie. Beaucoup de personnes vivent leur vie sans être vraiment le héros. Beaucoup de personnes vivent leur vie en subissant. Alors, ils laissent leur vie les contrôler. D'accord? On ne dirait pas que c'est eux les acteurs principaux de leur vie. Est-ce que vous voyez? Et c'est vrai que c'est pas facile. Voilà pourquoi vous devez vivre chacun de vos jours avec intention. Vous vous réveillez, ayez des intentions. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Pensez à réfléchir à chacune de vos actions. Réfléchissez à ça et demandez-vous réellement. Essayez de prendre conscience de ce que vous êtes en train de faire. D'accord? Parce qu'on développe tellement de mauvaises habitudes que souvent on ne s'en rend pas compte. D'accord? Prendre son téléphone, passer une heure, deux heures sur Facebook. J'ai fait ça. Et souvent ça m'arrive de faire ça. Vous comprenez? Ou se masturber ou regarder la pornographie. C'est des choses. Ça, quand ce sont des mauvaises habitudes, ou bien quand c'est des habitudes, je dirais, on fait ça sans s'en rendre compte. Et on gaspille nos journées sans vraiment réaliser ce qu'on voulait faire, sans vraiment avancer vers notre objectif principal. Voilà pourquoi chacune des actions que vous posez là, réfléchissez, est-ce que je ne suis pas en train de faire des bêtises? Ok? Et je sais que c'est pas facile, surtout quand c'est des habitudes, d'accord, qu'on a développées depuis des années. Mais faites l'effort de réfléchir quand vous posez une action, ok? Est-ce que je suis en train de devenir la personne que je veux être? Et si ma vie c'était un film et que mes enfants, mes futurs enfants, bien mes amis, bien tout le monde entier regarde? Est-ce qu'en ce moment, les gens seraient fiers de moi s'ils devaient regarder le film de ma vie? C'est la question que vous devez vous poser. Et moi, c'est la question que j'essaie de me poser aussi. Vous comprenez? Je vis seul ici, aux États-Unis. J'ai un très bon salaire. Je suis dans le top 10% de ce pays, grâce à Dieu. Et je suis vraiment reconnaissant pour ça tous les jours. Donc, il n'y a pas quelque chose que je ne peux pas faire ici. Est-ce que vous comprenez? Je peux avoir accès à pratiquement tout ce que je veux, en fait. Je peux voyager et faire ce que je veux, en fait. Mais j'ai des objectifs. Vous comprenez? C'est pas facile pour moi. J'ai des faiblesses aussi. Ok? Mais le plus important, c'est de réfléchir à vos journées, de réfléchir à vos actions et de les poser avec intention. Vous comprenez? Voilà. Donc là, je suis à Chick-fil-A. Hey, can I have two chicken sandwiches, please? How many? Two chicken sandwiches, please. Good. Yeah, the spicy ones, please. Oh, all right.
Yeah, just the sandwiches, and that's it. No, thank you. $24.07 for more spicy sandwiches. Okay, thank you so much. Donc c'est Chick-fil-A. Chick-fil-A, c'est un très... C'est une grande chaîne de restaurants ici aux États-Unis, donc... voilà. Voilà, donc je vais récupérer, c'est le drive-thru, je récupère. Et puis, je rentre au bureau, ok? Donc on se dit à tout à l'heure pour la suite de la journée pour bosser. Ok, la team, je viens de finir la journée de travail. Bon, je peux pas dire que j'ai fini, mais bon, j'ai fait l'essentiel et il est l'heure de partir en salle de gym. Donc je vais faire un peu d'exercice ici à la maison et ensuite j'irai à la salle, ok? Après je vais vous laisser parce que je vais revenir bosser encore. J'ai pas mal de choses à faire. Je vais juste vous montrer la journée de développeur, ok? Donc je vais juste vous montrer ce que je vais faire ensuite, le sport et ça sera tout. On y va, juste deux. Ok, là je suis à la salle de sport du complexe dans lequel je vis. Je travaille principalement avec ces poids, encore la mesure est en pound. Je vais pas filmer mon workout, but aujourd'hui je vais principalement travailler. Je me suis déjà échauffé un peu 10 minutes avec les pull-ups. Je vais travailler la poitrine aujourd'hui, les biceps, ok, et puis le dos, ok, voilà, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Mais bon, j'espère que vous avez aimé ce vlog, ok, et si vous aimez, smashez le bouton like. Abonnez-vous et smashez les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que j'ai pu inspirer certains d'entre vous qui sont intéressés par le métier de développeur. Si vous voulez que je vous aide, cliquez sur le lien dans la description et je vous dis à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas, abonnez toujours. Ciao.